m'appelle Defranou Barbara, j'ai 38 ans, j'ai fait mon apprentissage à 18 ans et depuis, j'ai jamais quitté l'entreprise. C'est de fabriquer de la carrosserie pour automobile en soudant plusieurs pièces ensemble par le biais de lignes semi-automatiques. C'est ma première expérience dans le management et aussi d'avoir une responsabilité sur la sécurité de mon équipe et aussi de se faire accepter en tant que monitrice dans le secteur. Il faut se faire sa place. J'arrive, prise de consigne avec l'autre moniteur. Je contrôle s'il y a bien tout le monde qui est là. Après, je dispatche le personnel par rapport aux priorités ou aux absences ou aux pannes des lignes. J'organise la minute sécurité aussi une fois dans le poste et aussi bien sûr d'accompagner les nouveaux arrivants. On fait beaucoup de contrôle de flanc unitaire, on rentre des palettes, on est aussi cariste. Ce que j'aime bien, c'est le travail en équipe parce qu'avant, précédemment, sur mes anciennes lignes et sur les lignes de soudage, on était tout seul sur les lignes. Comme je suis monitrice aussi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le rapport avec les gens. Le métier a complètement changé, on a dû apprendre des nouvelles technologies, des nouveaux process. Et on y apprend encore parce qu'on est les premiers, on est en première génération sur DRL. Et du coup, c'est à nous de s'auto-former un petit peu. Et aussi, on voit l'apparition de plus de femmes dans l'atelier. Qu'on recrute en ce moment, qu'on a besoin de bras. Non, c'est bien, c'est vraiment opérateur polyvalent, c'est pas du travail à la chaîne. Par contre, voilà, il faut avoir quand même certaines qualités, il faut quand même être vigilant, consciencieux et surtout avoir quand même une certaine forme physique parce que ça demande quand même beaucoup de tonus.